Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure incroyable et horrifique sur Resident Evil 7. Nous en sommes à l'épisode 9. Comme d'habitude, je vous conseille de fermer vos volets, éteindre votre lumière, prendre de quoi manger et surtout, surtout, prendre un casque et des écouteurs. On continue notre partie, hein. On va pas recommencer à zéro les gars, on est pas con, on vient de faire 8 épisodes, c'est pas pour le refaire à zéro. Et nous sommes actuellement sur les jeux Dangerous. Après avoir anéanti Marguerite, Ethan découvre le bras de série D, qu'on a donc chopé au cadavre d'une gamine bien dégueulasse, qu'il doit apporter à Zoé pour créer un sérum. Il se rend à la caravane, mais n'y trouve pas Zoé. Eh oui, elle a été kidnappée. Au lieu de cela, Ethan reçoit un appel de Lucas qui a prévu un tout autre programme. Et ce programme, il est simple, aller récupérer les deux clés pour pouvoir accéder au laboratoire. J'ai mis du temps avant de retourner un peu dans le game parce que réellement l'épisode précédent m'a mis en sueur de ouf. Les gars, quand vous avez toutes les lumières éteintes, quand vous avez un casque ou des écouteurs et que vous êtes plongé dans le jeu, surtout que c'est moi qui vous fournis le gameplay donc je dois pas forcément faire de la merde, je vous jure qu'il y a de quoi se chier dessus. Alors les mecs, à grand problème, grande solution. J'ai donc ajouté le code que j'avais de fourni dans mon édition collector. Ça m'a réoffert une nouvelle boîte de fourniture. La boîte de fourniture, je l'ai mis vite fait dans l'inventaire et j'ai sauvegardé. Je ne l'ai pas ouverte, je ne l'ai pas ouverte. Elle est ici. Par contre, comment on ouvre? On peut pas ouvrir direct dans le coffre? Non, je suis obligé de le mettre dans mon inventaire, ok. Ah, il me reste plus qu'un soin. Ah putain, j'avais utilisé deux petits soins. Ah, dur. Dur, dur, dur. Donc, on va l'ouvrir, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on a? Allez, notre pièce aussi. Et puis... franchement, tiens, on doit lire sur le côté. Non, on doit faire quoi? On doit faire ça? Ok, munitions de 44 magnum, grenade incendiaire, crochet, combustible solide, poudre à canon et de l'herbe. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc ça, c'était le pack action, je crois. C'est pour ça qu'il n'y a pas... il n'y a pas de truc pour se... comment on peut appeler ça? Pour se soigner. Ok, d'accord. Alors les gars, ah non, c'est des balles de magnum. J'ai eu tellement peur, je me suis dit les gars, vous foutez de ma gueule. 4 balles de pistolet frère, je fais pas grand chose avec. Comment on peut faire? Déjà ça, on l'envoie là-haut. Ça, c'est le lance-grenade, on l'envoie là-haut. On va prendre le magnum. On va le reload. Hop, nickel, j'ai 7 balles. Alors là mon magnum les gars, le boss final, je vous le dis, je sais pas à quoi il ressemble, je sais pas qui c'est. Mais on l'utilisera pour lui. Donc je garde le lance-gros quand même. Quitte à se chier dessus. Hop, ça en met de côté. J'ai de l'herbe, hein, mais les gars, j'ai pas mal d'herbe en soi. Poudre à canon, j'ai déjà. On va garder le crochet, combustible solide. Ça manque de fluide. On va pas se mytho, les gars, ça manque énormément de fluide. Je garde un crochet. On récupère Mail de ce pas. Et puis, 3 places, c'est pas mal. Ah non, notre pièce d'attaque. Notre pièce d'attaque, ok. Deux places, c'est pas mal. Deux places, c'est pas mal. J'ai assez de balles de pistolet. Bon, j'en ai 14. J'ai plus de balles de pompe. Il n'y avait pas des balles de pompe, les gars, là? Oh, je me suis fait enculer. Oh, il n'y avait pas de balles de pompe. Aïe, 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 aïe. Alors là, les gars, c'est critique. C'est critique. Balles de pompe, j'en ai 4. J'en ai 4. C'est terrible. Donc, c'est parti. On se casse. On récupère de ce pas... les deux cartes qui sont à l'autre bout de la baraque. Je vais sauvegarder parce que, hey, on n'a pas avancé mais c'était quand même relou, hein. Ça nous a pris quelques petites minutes assez précieuses dans notre aventure. Donc si jamais je meurs, j'ai pas envie de tout refaire, réouvrir la boîte, réarranger l'inventaire, etc. Donc on va récupérer les deux cartes. Une fois en notre possession, bah, on va ouvrir le laboratoire. Et puis on va voir un petit peu ce qui se passe. C'est parti, j'ai le cœur qui bat. Oubliez pas que là on voit de plus en plus la vieille. La vieille qui se met à chanter. Quoi? What the hell? Ils viennent sur moi là. Les gars? Attends, ils peuvent pas rentrer. Oh putain, ils sont de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'était pas prévu. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Je sais pas quoi faire. J'ai le cœur qui palpite. Est-ce qu'on peut faire tout le tour? Oui, on peut faire tout le tour. Ça nous demandera pas mal de temps par contre. Et c'est assez long.
What the hell? Et si je passe par là? Je vais me chier dessus. Ok, on va faire tout le tour. On va faire tout le tour. Oh là là. C'est quoi? Eh, j'en ai rien à foutre, les mecs. J'en ai rien à foutre. C'est quoi ce bruit? Vous entendez les craquements, là? Oh, mais c'est terrible. J'ai encore le son trop fort du jeu. Y'a plus personne. Mais oui, ben oui, l'Amérique, l'Amérique. Et en plus, vous prenez des escaliers différents. Ça paraissait tellement logique. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? What? Ok. Allez, mourir en enfer. Ok, mais là les gars, c'est bon. Ouais, les mecs, ça, mettre des gars ici, ils vont pas revenir, hein. Hein, les gars, quand même pas. Ça serait chiant pour moi. Ok, on va garder le lance-flamme. On y est presque, c'est à deux pièces d'ici. Je suis en stress, sa mère. Quoi? Toute la baraque est infectée, putain. Ok, soit on va à droite, soit à gauche. Il y a une pièce ici. Je retourne dans la pièce du billard. On est bien ici. On est très très bien ici. Il n'y avait pas un petit fluide là? Un petit fluide. Ah mais non, j'étais venu le récupérer, putain. C'est terrible. J'avais tout récupéré. Il y a toujours le dentier par contre, c'est incroyable. Ok. Ok, donc les gars, les deux pièces sont celles du couloir qu'on vient de voir qui était fermée. Et la chambre principale avec rangement. Alors, chambre principale, c'est donc une chambre parentale. La pièce de rangement, ok, chambre enfant. Oh là 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 là. Ah, vous entendez? Ok. Voilà, bon, ça utilise un... C'est pas terrible. Ok. Alors, les gars... J'avoue que je suis pas au top. J'ai pas trop envie d'aller ouvrir là-haut. Y'a quoi déjà là-haut? C'est la salle de bain? Ah oui, dans la salle de bain. Yes. Y'avait quelque chose là-dedans, non? Ouais, c'est pas ouf, hein. Ok, c'est pas ouf. Bon, on va rentrer dans la première pièce. On va voir ce qui se passe. J'ai reload de tout ce qu'il faut. C'est parti! Sésame! Ouvre-toi, même si j'ai pas trop envie. Ok, la chambre me paraît safe. Balle de peupon! Ça, c'est cool! Ça, j'achète! Ok, qu'est-ce qu'on a là? Le avril, donc on sait pas, hein, vous l'aurez compris, c'est censuré. Maman m'a amené à l'hôpital de la ville, ils ont pris une photo de ma tête avec une machine bizarre. Donc c'est un IRM, je suppose, pour voir son cerveau. Ensuite, maman m'a acheté un puzzle de 259 pièces au magasin de jouets. Le avril, donc après, je suppose, cet imbécile d'Oliver, n'arrête pas de me taquiner. Il dit tout le temps, t'es malade dans ta tête. C'est pas gentil, ça. Le, encore après, j'ai menti à Oliver. Je lui ai dit de venir pour ma fête d'anniversaire. En plus, je l'ai enfermé dans le grenier depuis l'extérieur grâce à ma télécommande. Il n'arrête pas de me supplier, laisse-moi sortir. Lucas. D'accord. Tout va bien. Le avril, j'ai changé la télécommande pour que cette idiote de Zoé ne puisse pas aller dans le grenier. Je l'ai combiné à l'un de mes trophées d'inventeur. Elle ne le trouvera jamais. J'espère que vous avez tout compris. D'accord. Donc, Lucas est super bien dans sa tête. Y a rien. Ok. Là, on est dans la chambre de Lucas. Trophée des jeunes ingénieurs. Très bien. Y a rien, ça doit être celui-là, je suppose. Qu'est-ce qui se passe? On se le met dans le cul et ça enclenche une clé Oh putain, c'est l'ombre qui m'a fait peur, ils sont cons. Ok, la place de troisième, toujours rien. Munition de pistolet, ma foi, je prends.
On a quelque chose ici, c'est quoi? Des suppléments, hein, bien évidemment. Des comprimés agissant sur le système nerveux, inutilisable tel quel, il doit être transformé. Ouais, c'est pas ouf, hein. Ça, je vais les jeter. J'en fais jamais. Ah, yes. Ok, je l'ai récupéré, cool, j'ai deux crochets. Qu'est-ce que c'est encore? Quoi? Oh non! Oh non! Mais non, les mecs, sérieux! J'en ai marre des greniers de toutes vos conneries, putain! Bah, y'a le mec encore là-haut! Oliver a arrêté de crier, mais parfois je l'entends frapper là-haut. Ça pue comme pas permis. Il y a un drôle de jus qui coule du plafond. À part ça, comme j'ai eu le temps, j'ai encore changé le trophée de la télécommande. Maintenant, il y aura de la lumière, même la nuit. D'accord. Très sympa. Très sympa. Là, on est sur des... Il est cassé. Ça, c'est chiant. Là, on est sur des bonnes ambiances. Ouais, nickel. Allez, flippons ensemble. Putain, les gars. J'ai pas envie d'y aller. Sérieux. J'ai pas envie d'y aller. Qui aurait envie, putain, merde. Ok. J'ai des soins, j'ai des balles de pistolet. Écoutez, j'ai un peu de tout. On y va. On y va. Sur ma vie, gros, je vais prendre le lance. Lance-grenade. Eh, tu sais quoi, les suppléments, rien à foutre. Hop. Eh, ça va, j'en ai assez, de toute façon. Ok, je vais juste utiliser l'herbe, par contre. Voilà, je me l'applique comme un Zovirax, là, le bordel, là. C'est quoi du Zovirax, d'ailleurs? Je sais que c'est un nom de médicament, je sais plus à quoi il sert. Ah! Vous entendez le petit truc qui bouge la tête? Ok. Joyeux anniversaire. Oh, 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 une nouvelle cassette, quel plaisir. J'adore vos cassettes, les gars. Réplique de fusil, fausse hache. Mais tout ça, c'est du fake. Client, Jack Baker. Contractant, Trevor Mécouille. Période de chantier, 10 novembre. Jusqu'au 30 novembre 1992. Installation d'une porte activable par des ondes dans le hall principal. D'accord. Un faux fusil, vous n'avez pas de place dans l'inventaire. Ok, pourquoi pas, why not. On a un petit truc sympa. Qu'est-ce que je peux faire avec? Pas grand-chose. Et on a ça. Vous entendez? Il y a quelque chose qui est tombé. Il est où le bubble? Attendez. Je l'entendais quelque part par là. Le truc qui bouge sa tête là. Le bubble head, je crois que ça s'appelle comme ça. Ok, bon, je l'entends plus. Je n'entends plus le truc qu'il a arrêté. Ah, une nouvelle balle. Ah oui, ah non. C'est pas ouf. Une nouvelle balle, c'est pas ouf de ouf. Ok, comment on va faire? Attendez, hop, je crois que lâche. Attendez. Ah, ok, je crois l'avoir là. Yes, et maintenant... Ninja. On est bon. Ouais. Ouais. Une carte d'accès bleue. On en a déjà une. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Le tableau intitulé Le Jugement. On a un problème. Mayday. On a un problème. Et le problème, c'est que la salle de sauvegarde est quand même assez loin. Et que j'ai pas mal de trucs à récupérer. Donc on redescend. Eh, me faites pas peur. Il est où le bobble? Je le cherche encore. Terrible. Il joue à cache-cache. Écoutez, on l'entend. On l'entend partir d'ici. Vous entendez? Et ça vient de derrière. On l'entend derrière. Ah! Salopard! Petit coquin! Allez! La cassette, c'est fait. La carte d'accès, c'est fait. La carte d'accès, d'ailleurs. Hop, on va la mettre. Bon, on va la mettre là où on a accès. Là, par contre, maintenant qu'on a récupéré la cassette, il peut se passer quelque chose. Je vous le dis. Parce qu'il a dit portables. Donc, on va à la caravane. On va à la caravane. J'ai tellement peur. Vous avez vu? Il se passe tellement rien que ça va venir d'un coup, le screamer. Vous savez qu'il va venir. Il va venir et il va nous enculer. Et ça va être terrible. Ok, je retourne à la caravane. Pourquoi? Bah déjà pour mettre la carte d'accès. Comme ça, on en est débarrassé. Pour lire la cassette. Ah!
Oh putain! Je vais mourir, monsieur. Là, c'est chiant. Là, je suis désolé, mais là, c'est chiant. Faut faire un effort. Ok, on a la clé bleue. Bon, vous avez vu qu'il se passe déjà des choses. Pas très loin des points de save, alors qu'avant, il se passait rien. Ok, la clé bleue, non, c'est pas ça. La clé bleue, c'est ça. Ça, c'est fait. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, hein, les gars. Mais ça va pas être cool. Oh putain, il y a un lecteur VHS. Yes. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Attendez, bougez pas. J'ai la VHS, on va la lire. Ça va nous libérer un espace. On va pouvoir récupérer. Ah tiens, c'était ça que je voulais. Voilà. On reload. Ah, ça va être un truc d'esprit, hein. Ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr. C'est sûr, les mecs. Carte d'accès. Allez, on est parti. On sauvegarde. Parce que dans la VHS, on peut mourir. Et c'est chiant. Et puis, on est reparti. Joyeux anniversaire. Je sais pas l'anniversaire de qui d'ailleurs. Il y avait pas écrit, il me semble. Si, c'était pas Mia d'ailleurs. Attendez. Non, joyeux anniversaire. Une carte joyeux anniversaire sur l'étiquette. Très bien. Allez, j'ai hâte de voir comment vous fêtez votre anniversaire là. Dans la famille. Parce que ça va être passionnant quoi. Ça va être incroyable. Ah, on va vibrer. Ah, voilà les gars. Là, on va préparer vous. Hein. Ok, pouvez-vous résoudre ce puzzle stupide? Expérience. Happy birthday. Expérience. Pouvez-vous résoudre? Toi, mon pote. On peut dire que t'es un sacré vénard. Tu sais, je t'en reviens presque. Quoi? Tu me crois pas? Cette joie, j'ai l'air de faire semblant. Ça, j'ai mis des années à mettre ça au point. Et c'est encore prêt. Et tout ça, rien que pour toi. Allez, vas-y. Fais pas la gueule. On va bien se marrer. Tu vas voir. Ok. Oh putain. Oh, c'est pas ouf, hein. Ah oui, d'accord, on s'éclaire... Ok, on s'éclaire à l'ancienne. Très bien, j'apprécie. D'accord, donc là, joyeux anniversaire. Ah oui. Ah non. Ah bon, il y a 4 pièces. D'accord. Ça va être sympa. Préparez-vous les gars. Préparez-vous, on va en prendre plein la gueule. Personne sera prêt. Par contre, si vous pouviez un de ces 4 me préparer un anniversaire comme celui-ci, ça serait un véritable bonheur. Il y a des chiottes, ok. Bon, pas grand-chose pour l'instant. J'essaye de tout fouiller. Peut-être un pistolet les gars, non? Oh. Ok, là, il y a quelque chose. Ah! J'ai intitulé ce jeu. J'aimerais vraiment sortir de cette pièce vivant et ne pas mourir dans d'atroces souffrances. Je sais, c'est un titre provisoire. Prends une bougie, allume-la et mets-la sur le gâteau. Et n'oublie pas de sourire. Cette fête est pour toi. Va te faire poutre! Ok, il y a un code. Il y a un code à trouver. Il y a des bougies. Donc, comment on peut faire? Sélectionner un objet. La bougie n'est pas allumée. D'accord. Et là, on a une... Quoi? Une clé de remontage. Ok, impeccable. Ça ne s'arrête pas de couler. D'accord. Ok, on a fait couler du liquide. Incroyable. Oh putain. C'est quoi ce bordel? Il n'y a aucune raison d'utiliser ça ici, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais on essaye parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Ici, ok. D'accord. Une petite photo de famille. Je vois que... Qu'est-ce que c'est ça? Une corde? Ok. D'accord. Jusqu'ici c'est vraiment... Ah bah ouais, on va l'allumer. D'accord. Hop, on rallume la bougie. Très sympa. J'aime bien ces petites faces, tu vois. Tu sens que ça va, tu peux pas forcément te chier dessus. Il n'y a aucune raison d'utiliser ça ici. Je suis toujours... Ah mais c'est du gaz. D'accord. C'est du gaz et dès que je passe ça, ça éteint ma bougie. Ah! On peut utiliser certaines choses.
Ça ne rentre pas. Non, qu'est-ce que je voulais? Je voulais ça, moi. Mais qu'est-ce que c'est? Ok, montre-moi, frérot. Oula, tu bug. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il manque un doigt. Avec le doigt, pardon, il me passerait quelque chose. Ok. Bon bah le doigt est dedans, je suppose. Ah! C'est un étron. Oh, la vache, c'est dégueulasse. Je suis d'accord. Ah, j'en avais mis 4 fois. C'est la gerbe. Un télescope sale. Un véritable plaisir. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok, c'est intéressant. On est face à une énigme très intéressante. Télescope sale. Donc, comment on va faire? Je suppose que pour le nettoyer, je m'en équipe. Voilà. Impeccable. Je suis un professionnel. On m'appelle Inspecteur Barnaby. Allez, McLonagan, il est temps de savoir comment on se casse. Ça, c'est du gaz. Ok. Bon, c'est cool. On a ça. Je peux pas le déployer, faire quelque chose. J'ai réussi à le nettoyer, c'est déjà bien. Il faut que je fasse le tour de ce qu'il nous reste, là, à faire. Ah, la bougie, peut-être, non? Voilà. Logique. Ah, sympa. Putain, ça veut dire qu'il s'est quand même fait chier à tout gonfler. Un ballon. D'accord, j'ai compris. J'ai putain de compris. Difficile d'ouvrir ça sans le mot de passe. Donc, on va gonfler le ballon avec du gaz. C'est un ballon qui a des pics. Ah, ah. Ça m'a donné un clou. Ah oui, il avait piégé le ballon. Oh, une plume. Je vais pouvoir écrire mes mémoires. Ok, j'ai une plume. Je vais pouvoir lui donner la plume. Ok, vous avez compris, vous suivez jusqu'ici? Ça ne tient pas. Bah oui, mais il lui manque un doigt, ce connard. Putain, mais gros, mais je sais pas, mais... je vais le prêter un de mes doigts, j'en sais rien. Il manque un doigt. Mais on avance, les gars. C'est quoi ce petit jeu? Tiens, on va tout péter. On va tout péter parce qu'on a que ça à foutre. Voilà. Ah, mais attendez, peut-être que dans un des ballons, il y a un doigt. Vous en pensez quoi? On n'a pas l'air de connard quand même. Hein. Les gars, sachez qu'on n'a pas l'air de connard à regarder par terre. On est au dernier ballon. Ah, il en reste 3. J'ai menti. Ok les gars, dernier ballon, c'est parti. Un petit trophée. Quoi? On peut pas le péter? Jure? C'est une arnaque. C'était une arnaque les amis. Je me suis donc fait arnaquer. Bon, ok. Il n'y a plus de ballon. Très bien, j'ai compris. Je vois que ça veut pas péter. Il peut pas péter celui-là. Ok. Attendez, on va remettre les binocles. D'accord. Ah! Ok! Il fallait regarder avec les binocles. D'accord, c'est pour ça que c'était un verre polarisant. Il suffisait de regarder les tableaux. Alors, on a quoi? Une bougie, une bite et un bébé. Bougie, bite, bébé. Très bien. Ok. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Alors, le bébé, la bougie, me semble que c'est ça, voilà. Et une bite. Ah non, c'était une bite ici. Hein. Voilà, et la bougie. Allez hop. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Une poupée de paille. C'est très sympa. Et si je la mets dessus, ça fait rien? Ben non. Faut mettre une bougie allumée. Une poupée de paille. Ok. D'accord.
C'est des trucs, c'est incohérent à l'heure actuelle. C'est sympa, hein, on avance à chaque fois, mais c'est totalement incohérent. Une poupée de paille. Mais... Ouais, le brûler, c'est de la paille, logique, mais... Ça va me donner quoi, un doigt? Eh oui, un doigt. Ok, doigt automate, c'était donc ça le célèbre doigt. C'est bon, on a avancé, maintenant on a toute l'énigme. Ah, c'est pour ça qu'ils ont précisé de paille, d'accord. Ah, c'était logique, mais quand même. Ok, maintenant on lui met la pluie. Et maintenant, on fait tourner. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu fais? Oh bordel! Bah ouais. Bah il est écrit perdant quoi, enfin c'est pas... Ok. Et maintenant comment je peux faire? Et je sais toujours pas ce que je peux faire avec. Il y a peut-être, je sais pas, mais gros, ça sert à quoi de regarder son bras? J'ai compris qu'il y avait écrit loser. En fonction des ombres, peut-être? Ah! Ok. D'accord. Donc ça servait à rien de mettre, d'essayer de... Je voulais à tout prix mettre la bougie sur le gâteau, mais ça ne servait à rien. Très très bien. Très bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vais encore prendre... Faut que je mette ma main dedans. Un volant. Bah oui, forcément. Pour fermer l'arrivée d'eau. Qui est juste ici. Ok. Tout me semble logique pour le moment. Mais alors, de toute façon, ça va m'emmener à la mort quoi qu'il arrive. Ils vont pas m'épargner. D'accord. Ah, c'était très intéressant. Écoutez, je... Peut-être que pour vous, c'est un moment de... Comment on peut appeler ça? Un moment de calme, cette vidéo. Mais j'ai trouvé ça très sympa. Ça fait un peu soul. C'est sympa, gars. Ah! Bah oui, il fallait reculer. Merde! 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 On est mort! Merde! Oh putain! Ah, merde! Oh, hey, oh merde! Merde! Quitte à mourir, autant mourir dans une lunette. Non! Une petite brûlure, les gars, une pommade, on n'en parle plus, hein. Joyeux anniversaire! Eh ben putain, c'était le meilleur anniversaire qu'on m'ait jamais souhaité. C'est incroyable. C'était chaleureux, l'ambiance, tu vois ce que je veux dire? Il y avait de la chaleur, quoi. Tu sentais que c'était... Je brûlais d'excitation, quoi. Voilà, hein, littéralement. Ok, ça, c'est fait. Joyeux anniversaire, c'était très sympa. Vraiment très sympa. J'apprécie. On sauvegarde, bien évidemment. Alors là, j'hésite. Est-ce qu'on va récupérer la clé rouge tout de suite? Et on n'en parle plus. Ça, c'est fait. Je pense, parce qu'il est temps d'avancer. Vous n'avez pas eu d'épisode pendant une journée. Ça doit être terrible pour vous, je le comprends. Et je compatis tout naturellement. Ah, on va ranger la cassette peut-être, non? Je sais pas vous. Ça me pourrait pas... Ça paraît pas mal. Allez hop, on range. Lance-grenade, on garde. Évidemment. J'ai de l'herbe et du fluide. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voulez qu'on soigne? D'ailleurs, j'y pense. Mais qu'est-ce que je peux faire de fou en... Qu'est-ce que je... C'est totalement dingue. Munition pour le lance-grenade contient un puissant poison agissant sur le système nerveux. D'accord, donc c'est fluide fort, ok. Fluide fort, ça me permet de créer des trucs... Ok. Ok, bon, on a 15 minutes pour aller récupérer de suite la carte. Ah, si je pars sans la clé, ça va être très chiant. La carte rouge, on va le faire. Et pour le retour, par contre, si on croise des trucs, on va essayer de pas les tuer, j'ai rien à foutre.
On économise un max de balles. C'est la clé... Non, c'est pas la clé scorpion. C'est la clé serpent. Clé serpent, elle est ici. On va essayer d'économiser un maximum de balles. Et cette fois-ci, si on croise... si on croise des trucs, bah, on va pas les tuer. On va pas les tuer, on va courir pour notre vie. De toute façon, on a l'habitude, on fait pas courir dans ce putain de jeu. Ok. Allez, c'est parti. J'espère qu'il y aura une nouvelle cassette. Ou cette fois-ci, on fêtera Noël. Ça serait cool. Noël tous ensemble. Ah, c'est là-haut. Oh, damn. Ok, il y a toujours cette petite photo bien angoissante. Bienvenue dans la chambre de Jacques et Marguerite. Très belle chambre, en tout cas. J'adore. Ok, des munitions de pistolet. Vous savez ce que ça veut dire. La même heure que sur toutes les autres horloges. D'accord, faut mettre la même heure que toutes les autres horloges. Ah ! Putain, mais t'es con ! De l'herbe. Merci, ma sœur. Oh, attends. J'ai l'œil, coquine. J'ai l'œil. Je sais plus comment elle s'appelle, la vieille. Casse-toi, par contre. Elle est où, l'heure ? Oh, regardez. Oh, il était trop stylé ! C'est Jack ? Avril 1980, Jack rejoint les Marines. Yes ! Trop swag. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Encore un crochet, impeccable. Ok. On dirait le schéma d'une arme. D'accord. On dirait le schéma d'une arme, effectivement. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Faut pas retourner dans la chambre d'enfant. Maison principale, main house. Truc corbeau, il y a une arme. C'est, on dirait la... Ça me rappelle quelque chose, cette pièce. Avec le corbeau. Il y a un fusil. Pourquoi il y a un fusil ? Et là, ils disent... Ok. On peut se construire, je pense, un fusil. Photo d'un trésor, d'accord. De l'herbe, c'est incroyable. J'ai plus de place, c'est chiant. J'ai plus de place, très bien. Ok. Bah, attendez, au pire, les gars, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut ranger la clé, c'est ça ? Alors par contre, la même heure que les autres horloges. Oh ! Mais non ! Trop bien ! Aïe, 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 aïe ! Ok ! Il y a une casquette. Oh, ça me rappelle quelque chose, ça. Bougez pas. Bougez pas. Une cage. Casquette au-dessus. J'ai caché quelque chose ici. Trouve-le si tu en es capable. Près d'une cage. Hésitez pas à me dire en commentaire où ça peut être. Ça m'intéresse fortement. Ça, je peux pas l'emmener. On dirait un schéma d'arme. Ça, faut que je vois où c'est, ça. Où il y a le corbeau. Mais c'est là où il y a le billard. Attendez. C'est dans le salon. Info sûre, c'est dans le salon, les mecs. Ok, très bien. Ok, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas une montre, quelque chose. Que j'ai une idée de l'heure. Je crois que j'ai le sac au maximum. Il n'y a pas une montre. Où je peux avoir l'heure? Là, il y a l'heure, il y a une horloge. On va regarder de suite. Ok. 10h15. D'accord. Ah oui, d'accord. Ça vient d'apparaître. 10h15, très bien. Mais en tout cas, c'est super bien foutu. Hein. Chapeau bas, melon et bottes de cuir. Hein. Vraiment impressionnant. Hein. Et impressionné. Ok, 10h15, très bien. Eh ouais, mon pote. J'ai pas envie d'y aller. Et ouais, j'ai pas envie d'y aller. Et ouais. Il y a quelque chose dans le salon. Comme un fusil à pompe. Donc vous savez ce qu'on va faire? On va aller voir dans le salon vite fait. On va aller voir dans le salon vite fait. En plus, j'y viens. Il s'est rien passé de... Il y avait rien. Il s'était rien passé. Donc on va voir. Mais il y a une arme là-haut, ils disent. Dans la porte. Dans la porte corbeau. Avec la clé corbeau, du moins. Ok. Ok. Mais on y avait déjà été, en fait, non? Bah oui! On y avait déjà été.
Ah, vous entendez? Vous entendez, vous entendez? Allez, nickel. On en a pas mal, là. Ouais, c'était là où on avait récupéré l'arme. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, le lance-grenade, j'étais censé le récupérer que... Oh, très bien. Allez, hop, je prends. Le lance-grenade, j'étais censé le récupérer que maintenant. Ok, les gars. Je suis une machine, alors. Des petits psychométries. Tiens, on va les utiliser, d'ailleurs. Comment on va de l'autre côté? C'est incroyable. Ah ouais, putain, mais c'est caché de ouf. Ah ouais. Mais c'est pas mal, en fait, ces psychos, mes couilles. Regardez. C'est... Oh, crochet, j'en ai. C'est incroyable. Hop, j'ai ramassé quoi? 10 balles de pistolet, mais non. 10 balles de pompe, pardon. Ah ouais. On découvre pas mal de trucs ici. Ok. Impeccable. Pas mal, pas mal. On aurait dû les utiliser beaucoup plus souvent. C'est cool. On a 2 fluides forts. De quoi faire des soins. En veux-tu, en voilà. Je suis sûr que, en plus, il y a un truc sur ma gauche, là. Je l'avais même pas vu. Mais c'est impeccable, ça. C'est énorme, génial, j'adore. Je me sens un peu plus rassuré. Allez, faut essayer de le trouver, par contre. On va essayer de faire vite. On va faire vite, on va faire vex. Ah, merde. Ça, c'est chiant. C'est la maquette. Ok. Bah, vous savez quoi, on est bon. On est très, très bon. Ah! Là, juste là. Oh, il y en a plein! Oh putain! Bah oui, de l'air dans le pot, effectivement. Hop, on prend. Hop, qu'est-ce que c'est? On prend. Aïe, 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 aïe. Ça ne s'arrête donc plus. Une pièce! Aïe, 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 aïe. Oh, un agent de séparation. Oh putain, attends, et vous savez quoi? Ça, hop, c'était la tête au-dessus, on a retenu. Agent de séparation, mais c'est un truc de ouf! Mais en fait, tu te régales avec les psychos, mes couilles. Je vais en reprendre, tiens. La drogue, c'est mal, par contre, sachez-le. Ok, impeccable. Qu'est-ce que c'est? Aïe, 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 aïe. Et là, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est derrière la caravane. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est fou! C'est incroyable! Mais c'est énorme! Oh putain! Je kiffe, je kiffe! Ah bah ouais, mais les gars, obligé de kiffer. Ok, 5 pièces par contre, je suis pas bien. Je suis pas bien, j'en ai trouvé qu'une. Nickel! Bon! Il est temps de faire un peu le ménage. Hop, voilà, crochet. On va garder un crochet. De l'herbe, les gars, j'en vomis là, c'est terrible. J'ai 5 herbes. 5, 6, 7, j'ai 8 herbes. Fluide chimique fort. Et vous savez quoi, rien à foutre. Hop, voilà. Ouais, j'ai c'est terrible. Regardez, j'ai de l'herbe. Crochet. Vous savez quoi, on va reprendre des psychostimulants. Hein. Mais non, mais c'est le feu de ouf, ça, en fait. Est-ce que je peux pas en utiliser qu'un seul? Hop, nickel. Impeccable. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que ça fait pas mal de temps. Là, on kiffe de ouf. Mais toute bonne chose a une fin. N'oubliez pas le j'aime, les gars. Et n'oubliez pas le commentaire. On se retrouve très, très vite. Cet épisode ne faisait pas peur. Mais cet épisode était recevant, rassurant, était tranquille. Voilà. Cet épisode était tranquille. Et mon cœur se porte bien mieux comme ça. À très bientôt pour l'épisode 10. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.